Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité !»« Sire !» répond l'agneau. « Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles !» reprit cette bête cruelle. « Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je t'ai encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange sans autre forme de procès. Jean de la Fontaine.